sommes sur l'ultime journée du championnat de France d'enduro 24MX 2022. Une journée qui s'annonce sous haute tension. Je veux bien sûr parler de la catégorie Elite E2 où soit Zach Pichon sera champion ou Hugo Blanjou qui peut être titré pour la seconde année consécutive. Mais hier, Zach Pichon a pris l'ascendant. Il compte maintenant 2 points d'avance sur le pilote Elite Moto KTM. Que va-t-il se passer chez ces deux-là? On va revivre tout de suite les catégories Elite sur cette dernière journée du championnat à Brioude. En Elite E1, même podium qu'hier avec un Kylian Lunier performant et régulier. Le petit jeune de Lozère a encore un gap à franchir pour aller se battre devant. Il est à plus de 2 minutes de la victoire. Devant, le titre était quasiment joué, mais Thilde Clercq a quand même voulu mettre la pression à Larieux. Mais ça n'a pas aussi bien fonctionné qu'hier, puisqu'il a au final remporté que 2 spéciales et termine 2e à 1 minute de la gagne. Loïc Larieux s'est réveillé plus tôt qu'hier en remportant les 2 premières spéciales. L'officiel Fantic a montré une belle pointe de vitesse pour sa dernière journée en championnat de France 2022. Il devient champion de France pour la 8e fois de sa carrière. Quel suspense en Elite E2, mais on notera avant de commencer les hostilités du titre, la confirmation d'Enzo Marchal qui signe son 2e podium ici même à Brioude. Le pilote bonneton, 2 roues et 3e à l'issue d'une journée où il a pris de bons chronos face à ses adversaires. Et voici enfin ce qui a mis le feu à cette dernière journée. Piqué au vif après sa fin de journée d'hier, marquée par les chutes et sa 2e place, Hugo Blanjou a d'entrée de jeu sur la 1ère spéciale pris 4 secondes à Pichon. Il faut dire qu'entre les deux, les styles de pilotage étaient radicalement différents. Pichon, posé et appliqué, tandis que Blanjou était parfois un peu plus en vrac. La faute à une attaque sans compromis pour aller grappiller la moindre seconde. Dans la suivante, malgré les 9 minutes de chrono, ils se tiennent à 6 petits dixièmes seulement. La journée risquait d'être bien longue, surtout pour Blanjou, quand l'officiel Cherkou a commencé à enchaîner les victoires de spécial. Et à l'entame du dernier tour, Zachary Pichon avait 10 secondes d'avance. Mais dans la 7e spéciale, le pilote Cherkou part à la faute et Blanjou reprend l'avantage. Le pilote Elite Moto a désormais 15 secondes d'avance avant les 2 derniers chronos. Pichon n'a pas dit son dernier mot et reprend 2 secondes 4 dans l'avant-dernière spéciale, portant ainsi à 12 secondes l'avance d'Hugo Blanjou avant l'ultime confrontation de la saison. Dans la 9e spéciale, Zachary Pichon ne commet aucune erreur. Blanjou est à 1 seconde seulement, arrachant le titre E2 à l'issue d'une saison particulièrement bataillée. Grâce à sa victoire d'hier, suite aux 3 chutes de Blanjou en fin de journée, Pichon est resté dans le coup plus que jamais pour jouer le titre. Et aujourd'hui, c'est sa chute dans la SP7 qui le prive d'être champion. Mais on retiendra surtout qu'il a réalisé une magnifique saison pour sa 1ère année d'enduro, avec un titre mondial junior à la clé à 21 ans. Blanjou, de son côté, n'a jamais rien lâché et connaît les courses au titre sous tension. Après son titre en cross-country, sa belle saison en mondial avec des podiums à la clé, il a réellement passé un cap cette saison et ce titre vient récompenser tout le travail réalisé avec son équipe et son mécano. Après ces belles images de joie en E3, c'était un dernier tour d'honneur aujourd'hui puisque le titre a été remporté hier. Et le même podium que ce samedi avec Antoine Cric 3e, assez loin de la gagne. Luc Fargier est quant à lui 2e après avoir réussi à titiller un peu plus Léo Le Quéré puisqu'il prend 3 spéciales dans la journée. Léo Le Quéré qui a roulé forcément sans aucune pression sur cette dernière journée du championnat, arborant un joli numéro doré, lui qui est devenu champion de France E3 dès hier, mais s'est quand même imposé aujourd'hui. Le
Le championnat de France d'enduro 24MX revient évidemment en 2023, mais sans la voix qui l'accompagne depuis plus de 40 ans, puisque Jacky Denisot, le speaker officiel du championnat de France, a décidé de se retirer. On lui souhaite une belle continuation et à l'année prochaine. Bye bye.